voilà dans ce nouveau poste de police municipale flambant neuf. Aujourd'hui, je suis fière d'inaugurer cet investissement, fière de l'engagement de la municipalité au service de la sécurité de tous. Je dois dire que je suis vraiment impressionnée. Et particulièrement le CSU, là où sont toutes les caméras, c'est vraiment un bel équipement, très moderne, qui permet incontestablement d'améliorer la détection des infractions. C'est vraiment un bel outil sur lequel à la fois la police municipale, mais aussi la police nationale, peuvent travailler. Et ici à Drancy, je sais qu'il y a un bon partenariat. Le bâtiment fait environ 800 mètres carrés. Forcément, ce qui ressort positivement, c'est le confort qu'il y a par la surface et bien évidemment leur salle de travail, qui est beaucoup plus confortable. Nous avons pu réunir dans ces locaux les policiers municipaux, les opérateurs de la vidéoprotection, les agents de surveillance de la voie publique et les agents administratifs. Donc évidemment, gain de réactivité de l'ensemble des services. Et en termes d'opérationnalité, on est beaucoup plus efficace. Et très concrètement, avec tous les espaces qui ont été créés, ils sont ravis d'intégrer enfin aussi ce poste-là. Aujourd'hui, nous avons 34 policiers municipaux, 11 ASVP, 11 agents de surveillance de voie publique. C'est donc désormais un effectif qui est suffisamment conséquent pour répondre aux demandes toujours plus importantes des Drancéens. Cette demande ô combien légitime de plus de sécurité, de plus de tranquillité.